pilote et poussée automatique désactivée. Clairement, les conditions météo étaient très mauvaises au moment de l'atterrissage. Première question, sont-elles responsables de l'accident? Pousse-le! Pousse-le! Comme souvent dans ce type d'affaires, aucun des deux pilotes ne s'est exprimé publiquement. Il faut évacuer! Tout de suite! Et Air France s'est réfugié derrière les actions judiciaires en cours pour ne pas communiquer sur les causes de l'accident. Il va bien? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va bien? Je ne sais pas. Un ancien pilote instructeur d'Air France, Hervé Labarthe, a discuté avec le commandant Rosé. Et on a parlé, je ne sais pas, peut-être une demi-heure. Et il m'a dit, donc ça c'est le fait que je ressors de cette conversation, il m'a dit avoir demandé au contrôle, ou plus exactement, avoir informé le contrôle que là, il était vraiment tout près d'envisager de dégager. Et ce qu'il m'a dit, c'est que le contrôle lui avait dit, lui avait répondu, on va ouvrir le terrain très vite. Il y avait l'ambiance, je pense, les éclairs, les turbulences. Et très très vite, on lit moins bien les instruments. L'avion est plus difficile parce qu'il bouge beaucoup, quoi. Les enquêteurs découvrent également que les instruments de la tour de contrôle pour mesurer